Ok, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Genesis partie 2, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui, le dernier DLC est enfin sorti et on se retrouve dans un univers absolument incroyable. Alors on a fait un petit live découverte très très court, mais j'ai très envie de découvrir ça avec vous en vidéo et ça y est du coup, j'ai un nouveau personnage avec des skins d'ailleurs et qui me servent à rien. Et un personnage niveau 1 avec un level à passer. Eh bien écoutez, ça fait plaisir. On va tout mettre dans le poids pour l'instant. Waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. L'endroit est paradisiaque. Et franchement, ça donne envie d'explorer. Ça donne envie de faire du timing et de l'exploration. Et oh mon dieu, les amis. Oui, vous rêvez pas. On commence directement avec une nouvelle tenue tech. Incassable. Incassable. Non, vraiment, une tenue tech qui n'est pas cassable, qui n'est pas broyable non plus, et qui nécessite aucun élément pour fonctionner. Alors certes, elle n'a pas beaucoup d'armure, hein, 20 d'armure par pièce, c'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, on peut l'utiliser pour se déplacer, pour voler, et même, du coup, pour farmer les ressources. Bim! Voilà, Sulex et Pierre, ça fait plaisir. Alors, vous l'avez compris, on se trouve dans les anneaux qui contournent le vaisseau spatial de Ark. Et là, pour le coup, wow, ces anneaux sont vraiment magnifiques. Et regardez les points de vue, les cascades, les structures, tout est beau. Et franchement, j'ai... Oh mon dieu. Je suis pas habitué à voir les nouvelles créatures pour l'instant et je trouve ça fascinant. Elle est majestueuse, hein. Cette girafe, on va appeler ça des girafes, hein, parce que les striders, c'est pas très intuitif. Mais alors là, franchement, oh, regardez la grâce qu'elles ont. Franchement, je les trouve mais super belles. Hein. C'est très robotique aussi. Très, très robotique. Donc, on se retrouve en Vanilla, sans aucun mode, avec des stats quasiment officiels. Et on se retrouve du coup dans une nouvelle aventure en dehors des clusters. On va vraiment découvrir ça... du début à la fin, avec un nouveau personnage et tout. Un nouveau personnage d'ailleurs qui atteint son level 3. Ça fait plaisir. Du coup, on va prendre le feu de camp, la lance et la hache. Comme ça, on va pouvoir crafter 2-3 choses. Ah ouais, il me faut du bois. Eh ben écoute, hop, bim. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se faire des lances et des haches et tout ça? Je suis pas sûr. Par contre, le feu de camp, ça, je veux bien. Et on va essayer de se faire un peu de peau. Là-bas, je vois des listros et des dilophosaures. Oh, le Pegomastax, il va voler. Il va voler tellement loin. Allez, d'habitude, tu marres avant début d'aventure. Bah, du coup, c'est... Mais ça marre, tu... Voilà. Du coup, c'est moi qui te marre. Mais... Ça suffit, oui. Et du coup, est-ce qu'on peut farmer directement comme ça? Oh, j'ai pas l'impression. Non, il va vraiment falloir des outils quand même. Salut, toi. Oh, t'es beau. T'es magnifique. T'es quel level? Level 100. Allez, ça commence bien, les levels, franchement. Level 15. Ah ouais, non, ça a pas duré très longtemps, hein, entre nous. Du coup, on va pouvoir se faire une petite hache pour pouvoir récolter à la fois de la viande et surtout beaucoup de peau. Alors, si on regarde la carte, clairement, je vais essayer de m'installer dans ce biome et pas trop loin de la frontière des deux anneaux. Je pense qu'on va aller s'installer du coup par là-bas. Ouais, ça me semble plus logique. Et on va essayer de se trouver un petit endroit sympathique pour, en tout cas, une première maison. Un petit pied-à-terre, voilà, où je peux mettre quelques coffres et 2-3 choses. Je pense que ça va être assez utile. Oh, bah regardez, il y a un loot juste en face, un loot rouge. Alors, je sais pas si j'ai le niveau nécessaire pour ouvrir des loots rouges, mais clairement, je sais que les loots sur Genesis Partie 2 sont pétés. Et je me dis qu'un loot rouge... Ça peut être très pété. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. On va aller voir si on arrive à l'ouvrir déjà. Ah, ça serait vraiment sympa. Allez, on y arrive. La map est très grande. Hein. Oh, on dirait pas comme ça, mais je la trouve vraiment énorme. Du coup, ouverture du loot. Ok. Un petit peu de poudre d'étincelle, peut-être. Un peu de pétrole. Le reste, je suis désolé, je vais jeter le reste, hein. Mais ça pèse trop, c'est trop lourd. Désolé, les tuyaux, les câbles. Je pense qu'on en trouvera d'autres. Au pire des cas, ça coûte un de métal pour le faire. Ça va, je pense que c'est faisable.
Oh, je crois que j'ai trouvé un endroit plutôt joli. Ah, on va regarder si on peut pas s'installer par ici parce que franchement, je trouve l'endroit très 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 cosy. Alors, est-ce qu'il y a de quoi farmer dans le coin? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on trouvera pas beaucoup de métal par ici, hein. Je pense qu'il va falloir aller de l'autre côté. Mais non, franchement, très joli coin. C'est plutôt plat. Eh ben écoutez, moi je crois qu'on va poser nos affaires ici, hein, définitivement. On va se faire une première petite maison en paille. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement, ce coin, il me semble plutôt correct. Ah, ben je crois qu'il est grand temps de se faire un toit. Étant donné qu'il commence à pleuvoir, ça fait plaisir. Alors hop, ça y est, on est à l'abri dans notre maison. J'ai mis un petit coffre ici, comme ça je peux stocker un petit peu le matériel. Et ouais, ça fait plaisir, franchement, très joli. Un petit peu emmerdant les girafes, il y avait une girafe tout à l'heure qui piétinait un peu ma maison. Apparemment elle est tombée, donc tant mieux j'ai envie de vous dire. La tortue 145, j'ai vu un trissé là-bas, level 135. J'ai l'impression que la map elle est pas mal niveau level, ça fait plutôt plaisir. Alors, bonjour Elena! Merci pour les 300 balles, ça fait plaisir. Eh mais franchement, vous dites bonjour à quelqu'un dans la rue, il vous donne 300 balles, c'est cool, hein? Et moi je dis bonjour à tout le monde, il n'y a pas de souci. Non, c'est plutôt sympa là, comme ça nous fait quelques hexagones de réserve. Sachant que pour l'instant, on n'est pas prêt de faire des missions. Il faudra qu'on se renseigne un petit peu là-dessus. En attendant, j'ai posé un petit peu les bases. J'ai mis le feu de camp, le mortier, un petit stockage. Je suis en train de faire quelques narcotiques. Comme ça, on en a quelques-unes sous le coude. Aussi, dans le stockage, j'essaye de stocker un maximum de choses. Les baies, bon, je pense pas que ça soit trop nécessaire pour l'instant. Je pourrais à la rigueur limite me faire des stimulants. Ceci dit, j'ai pas appris le craft pour l'instant. Les bolas, est-ce que ça va servir? Ouais, ça peut servir, même si maintenant il y a le filet qui marche avec le harpon. Je pense que là, les bolas, ça peut être plutôt intéressant, parce que le harpon, ça va pas être tout de suite. Mais ouais, bah franchement, on avance bien, et ça, je suis plutôt content. Oh, regardez ce qu'on a juste là! Un nouveau loot rouge! What the fuck? La vache! Ah ouais, 189% en plus, c'est vraiment pas mal, hein, sachant qu'actuellement sur le cluster on tourne à du 250 à peu près. Ah, plutôt sympa. Y a des semi-raptors, cool! Pardon, monsieur. Oh, level 90? Je pensais que t'étais un peu plus bas level. Oui! Ah, oh, merde. Allez, attendez, attendez, attendez. Allez, faut pas le rater. Merde, raté! Au pire, on peut le shooter, non? Genre, raté. Je suis vraiment nul aujourd'hui. Eh bien là. Oui! Et ça m'a fait passer un level, c'est cool. Allez, vas-y, un petit peu de peau. Je dis pas non. Eh, j'aime bien les gants tech, franchement, ça fait plaisir. Encore un loot rouge en vue. Alors, j'ai l'impression que c'est par jour. En fait, un jour, on a des loots verts, le lendemain, on a des loots bleus, ensuite des loots violets, des loots jaunes, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la journée des rouges. Bah, c'est très bien, ça fait plaisir. On va ouvrir encore celui-là. Ah, il y a une mission juste à côté. Regardez de plus près. Qu'y a-t-il dans le loot? Oh, de la bière! Trop. Ah, la gourde en polymère, c'est tellement pété ça. Les rampes en métal, on s'en fout. Le réservoir d'eau, on s'en fout. Eh, les amis, on va se boire une bière à la fin de l'épisode, ça va être énorme. C'est trop trop bien. Ou alors je pourrais tamer des calicots. Non, on va boire de la bière, c'est mieux. Et du coup, on a un terminal juste ici. Show mission list. Cool. Circuit chase. Quality up. Et si j'appuie là, ça lance. J'ai peur que ça commence la quête. Je me tâte un petit peu. Je vais peut-être demander à Skell si elle est pas partante pour venir faire une petite course. Ah, ça serait cool, hein. Eh, récompense 815 hexagones. Ah, par contre, ça paye pas. Hein. Les courses, là, j'ai l'impression. 30 000 hexagones, ce genre de mission. 30 700. Ouais, je crois que ça se voit assez, certaines. Ouais, à peu près 30 000 balles chaque mission en alpha. Intéressant, intéressant. Bah écoutez, je vais voir si Dame Skell serait partante pour une mission. Oh! Un R par hasard, cool! Ça fait plaisir. Oh, ça y est, il y a ma jumelle qui est arrivée. Et coucou, Dame Skell! Et coucou! Bon, est-ce que t'es prêt pour tenter ta première mission sur Genesis, partie 2? J'attendais que t'aies fini. Oui, non mais. Il m'a volé ma Qu'est-ce que tu fais? bière! Il m'a volé ma bière! Il m'a volé ma bière! Il m'a volé ma bière! Non, non, mais ça, c'est le truc le plus précieux que j'ai! Non!
Il était 145, hein. Eh hey, mais attends, je viens de penser à un truc. T'es pas dans ma tribu. On n'est pas dans la tribu. Attends, je vais t'inviter dans la tribu des mésaventuriers. Attends. Il y a le pégo là qui fait des siennes. Il m'a volé mon fusil. Mon fusil légendaire. Mais c'est incroyable. Mais rendez-moi mon... Sans déconner. Bonjour. Je t'invite dans la... Du coup, j'ai le droit de rentrer dans la tribu. Oui, allez. Accepter l'invitation. Les mésaventuriers. Dépêche-toi. Il y a Allosaur. Dépêche-toi. Ah. On va lancer la mission. Je lance la première qui me vient. Show mission list. Une course, ça te va? Oui, de toute manière, après, on essaiera de faire autre chose. Slipstream Sweep. Je sais pas ce que c'est. Let's go. Je sais pas. Slipstream Sweep. Ça va être cool. Ouais, ça va être une super course. J'ai même pas regardé s'il y avait des prérequis. J'ai lancé ça. Non, parce qu'il y a des allosaures juste derrière les arbres là-bas. C'est inquiétant. Oh, téléportation! Qu'est-ce que... Oh non, oh, j'ai jamais essayé ça, moi. Allez, c'est parti. Il faut souvent sauter avec pour prendre la hauteur. C'est tout ce que je sais te dire. Allez, c'est trop bien. Et regarde, quand tu fais clic droit, tu peux... Attends, tu peux plus. Ah, merde. Ah, ah. Wow. Ah, heureusement qu'on est en gamma parce que... Ah, ah. Je rebondis comme une boule de flipper. C'est trop... Mais c'est smooth, hein. C'est spécial, enfin c'est... pas désagréable, hein. Je trouve ça tellement stylé. Wouah. Et j'ai l'impression d'être trop fort. Sûrement que je fais sacrément de la merde, sûrement qu'il y a des dashs et tout. Mais j'ai l'impression là d'être... Ouais, non, d'être une boule de flipper, effectivement. Waouh! Ça prend de la hauteur! Ok. Putain, il y a 4 minutes, il reste. Elle doit être en ma course. Oh, ça veut rien dire, on est en gamma, hein. C'est vrai. Attends, là, il y a une rampe. Non! Ah, d'accord, on peut voler, ok. Oui, oui, avec l'espace. Oui, non, mais je savais pas comment, moi. Aïe. Ah, j'ai raté l'anneau. Moi aussi. J'étais trop... C'est tellement stylé. Aïe. Ok. Allez. On va pas les rater, ceux-là. Avec la musique, c'est très chill, hein. Ah, je trouve ça méga chill, ouais. Vol. Waouh. Je crois qu'on l'a pris dans le mauvais sens, non? Non, c'est juste. Moi, il me dit return to be teleport. Ah, j'ai dû louper un anneau, non? Ah non, j'étais juste trop. Non, j'étais juste. Ah, il y a un ventilo. Attends. J'aime pas les. Oh. Wow. Ah, j'étais trop ralenti là. Bon, ça va, il tourne pas vite. Ah, oui, si, ça commence à tourner. Ah, il y en a trop. Wow, mais je trouve ça trop bien. Eh, hey, j'ai hâte d'avoir mon mien de... d'Oversail. Oh oui, c'est la fin de la course. Yeah, victoire. GG. Putain, on a tellement du... Hey, c'est tellement swag comme truc. Bon, moi je dis, ça mérite quand même une petite bière, tout ça. Ah, on reçoit des cadeaux. Ah, par contre, on veut pas broyer les... J'ai eu 38 flèches, ça c'est Ah, du coup, pendant 3 heures... Les ressources vont respawn plus vite. Ah, c'est ce qu'on d'après a... ce que j'ai compris. Ouais, ah. C'est ce que j'ai compris. Donc en fait, quand tu regardes la mission, il y a des petits... Ah ouais, les bébés sont plus impatients de voir le monde, donc ils vont naître plus vite. On va se heal plus vite. Les sondes avancées mettront en caisse plus de ressources de grande valeur. Oh putain, tu peux booster les loot de Elena. Oh la vache. Erreur de la biobanque en ta faveur. Putain, j'ai l'impression de jouer à Monopoly. Les cultures qui poussent plus vite. La vie sauvage, elle est moins dangereuse. Donc les dinos sauvages sont moins forts. Augmentation de l'endurance. Les animaux apprivoisés sont... Ok, ils tombent amoureux, ils sont en chaleur. Le métabolisme est plus efficace. Très bien, non, mais c'est cool. Les tamings sont plus puissants.
Les imprints sont accélérés. Oh, c'est cool. Du coup, tu peux voir tes effets en cours, tu sais, dans mission, Ouais. Ta quête et à côté t'as effet. Ouais, mais c'est trop, trop bien. Et du coup, bah, écoute, on se boit une petite bière pour fêter ça. Allez, santé! Tac, à la tienne. Oh, excellent. Bon, ça y est, on rentre à la maison après ces mésaventures avec Skell. Bon, la course aura été sympa. Sachez qu'on a fait d'autres courses avec Skell sur son point de vue. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à sa chaîne, aller voir un petit peu ce qu'elle a fait comme course. Franchement, on a tapé un fou rire chez elle. C'était incroyable. Et là, pour le coup, celle de Fiom... Du poly... Mais what? Attends, non, mais je dois prendre ça. Comment? Je peux pas... Ah, ça me fait mal de jeter de l'obsidienne. Ah la vache! Allez, vas-y. Vas-y. On est à côté de la maison. On va aller poser ça à la maison. C'est vraiment pété, ces loutres rouges? Incroyable. Du coup, comme je le disais, la chaîne de Skell, évidemment, elle est dans la description. Et on a encore un loutre rouge à côté. Non, mais c'est fou, ça. Non, mais... C'est fumé! C'est complètement fumé comme truc. Du coup, hop, on va poser tout ça à l'intérieur du coffre. Qui est plein d'ailleurs. Hop, voilà, parfait. On va prendre, tiens, ça. Et on va mettre ça à la place. Nickel! Ça y est, on peut se redéplacer. Et le loot a disparu. Bon, bah, c'est pas grave, ma foi. Et bah écoutez, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode sur Genesis partie 2. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le petit pouce bleu. Nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles mésaventures. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao! Et bye bye! À bientôt!